balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde ko la yo a sali sa yo te bona kolia na yo moko ba bonde la yo bona nzoto na yo moko ya ele poko ba bonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne kolala no teka, ano teka biloko ya mboka ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo, kula mo nkanja izali. Barubi njomo ya ali. Nkuba baniwa. Barubi njenje izali. Ya kumba kanga ya shwe mboto ya mbise za. Barubi nyama ya mbotu ya mbombo so izaga ne. Kala ngando nde na lali na basi. Oyetike, na sutu. Eza kodia na peti. Kwa mama mbande. Ya solo. Bon, va te comprendre, t'es maoua. Va comme Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, la Coriana, puis nous, moi, va comme la Dino, Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face. Il se passe quelque chose de surprenant. À l'Assemblée nationale, depuis un certain temps, il est vrai que nous n'avons pas connu ce genre de manifestation, cette euphorie, cette guéguerre, ces jeux de pierre, les députés se livrent à des batailles, mais alors spectaculaires, juste après le discours du président de la République et la désignation d'un informateur. Alors que la question au niveau de l'Assemblée nationale est bien située au niveau du renversement d'un bureau que certains députés qualifient d'incompétent. Je reçois un député provincial, avocat, professeur et membre et surtout cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir. C'est l'honorable maître professeur Tshilumbaye. Comment allez-vous? Je me porte bien, maître Christian. Vous allez bien sinon? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'Assemblée nationale? Il y a une pétition qui a été diligentée par un groupe important de députés qui se sont adressés à leur bureau prioritairement pour lui signifier qu'ils lui retiraient leur confiance de suite de comportements successifs. Qu'il considère comme ne permettant plus à son bureau d'assumer avec responsabilité et d'assurer les charges qui lui ont été dévolues par les mêmes députés qu'il avait élus. Et cette pétition n'est pas un acte susceptible d'appréciation en termes de sa validité par des instances judiciaires. Dans ce sens qu'elle est une affaire interne et régie exclusivement par le règlement intérieur de l'Assemblée, parce que si vous lisez bien, la Constitution ne prend pas en charge cette question. Et qu'au terme de ce règlement intérieur, il est signalé différentes assertions ou possibilités selon qu'il s'agit d'un seul membre du bureau qui est visé, de tous les membres ou de la présidente ou du président de l'Assemblée pour ce dernier ou cette dernière, parce qu'il s'agit d'une présidente en fonction, il y a une condition préalable du nombre de voix requises qui a été suffisamment considérée parce qu'on a pris le un quart des élus constituant l'Assemblée pour valider la pétition lorsqu'elle est dirigée contre elle. Ce qui fut fait parce que dans l'hypothèse sous examen, il y a bel et bien 264 signatures, bien au-delà de ce qui est exigé par le règlement intérieur qui avait été déposé. D'abord, il faut dire qu'il y a un constat à faire, c'est qu'un des ordres voulus et entretenu a été installé au sein de l'Assemblée à partir du jour que les élus concernés avaient annoncé qu'ils allaient déposer leur pétition. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils s'y amenaient avec des machettes et des armes. Et ils ont appelé la population à les y accompagner, ce qu'aucun règlement n'interdit,
Bien sûr qu'ils avaient même prévu à cette occasion que la population n'accéderait pas aux installations de l'Assemblée et qu'elle allait rester. Même si dans la pratique, on sait que la tentation est très forte. Bon, la tentation ne se présume pas. Dans ce cas précis, les signataires de la pétition avaient bien insisté. Ils avaient ordonné à leurs accompagnateurs de garder leur distance. Mais curieusement, nous sommes un samedi. C'est vrai que dans la plupart d'administrations chez nous au Congo, le samedi, c'est presque une demi-journée. À 12 heures, on ferme. On est supposé fermer. À 12 heures, on est supposé fermer. Ce n'est pas une exigence légale en tant que telle. Ça dépend d'une administration ou des administrations. Et on ne peut pas dire qu'à 12 heures, on est supposé fermer à la RVA. On ne peut pas dire qu'à 12 heures, on est supposé fermer à la météo là-bas ou à la RTNC. Pas plus qu'on est supposé ou qu'on soit supposé fermer à 12 heures à l'Assemblée nationale. Mais ce qui reste vrai, c'est que les pétitionnaires étaient sur les lieux avant 12 heures. Et que de coutume, ce jour-là du samedi n'est pas ou ne fonctionne pas comme cela. Les administrés ou les commis à l'administration sont souvent là au moment ou à l'heure précise, c'était à 8 heures. Ils sont souvent là, mais curieusement, à ce jour-là, il a été constaté que tous avaient été empêchés d'être à leur poste, ce qui n'est pas de coutume. Bien évidemment, comme ça s'est fait dans toutes les administrations du monde, qui fonctionnent suivant la formule consacrée de voie hiérarchique, lorsque un préposé subalterne faillit à ses obligations, il est de droit qui peut le plus que le moins de s'adresser à son autorité pour éventuellement voir s'ils peuvent pallier à la carence du préposé inférieur, comme vous l'avez si bien dit, qui peut le plus, peut le moins. Et il a été fait appel au secrétaire général de l'administration de l'Assemblée. Bon, j'ai suivi bien des voix qui s'élèvent pour dire que le secrétaire général ne serait pas habilité à recevoir ce genre de documents. Nous sommes allés plus vite d'ailleurs. Moi, je voudrais qu'on aille palier par palier. Dites-nous comment ça s'organise dans une administration. D'abord, qui est le patron de l'administration de l'Assemblée nationale? C'est le secrétaire général. Ce n'est donc pas la présidente de l'Assemblée nationale? Non, l'administration de l'Assemblée nationale, elle diffère de... Bon, en fait, il y a deux types d'administration au sein de l'Assemblée nationale. Il y a une administration qui relève la fonction publique, qui est chapeautée par le secrétaire général, il faut le rappeler. Ce n'est pas un subalterne hiérarchique du président de l'Assemblée nationale, qui est une autorité politique. C'est son chef, mais ce n'est pas son chef hiérarchique. Il n'a pas d'ordre à lui donner. Il a des recommandations à lui formuler, mais pas d'ordre. Mais il ne peut pas le démettre de ses fonctions? Non, elle ne peut pas le démettre de ses fonctions. Alors, secrétaire général est en fait nommé par le président de la République. Il n'y a que celui-là qui a le pouvoir de le démettre. C'est vrai que dans le cadre de notre législation, il est prévu une hypothèse où l'on dit il est nommé soit par le président de la République, soit par le président de la Chambre, mais dans le fonctionnement régulier de notre fonction publique, c'est le secrétaire général qui nomme, c'est le président de la République qui nomme le secrétaire général, y compris celui de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous apprenons que les agents de l'administration ont été tour à tour séquestrés, d'autres effacés, chassés carrément. Est-ce que avez-vous appris la même nouvelle? Bien évidemment, mais ici il faut souligner une chose. Oui. On évoque l'idée que le secrétaire général ne serait pas compétent de recevoir ce genre de courrier, non. Les députés pétitionnaires ont recouru à une technique juridique connue, c'est-à-dire au service de l'huissier de justice, parce qu'il s'est avéré que les services avaient été mis en position de dysfonctionnement de manière tout à fait délibérée. C'est comme ça qu'il a été fait recours à des services de l'huissier pour
diligenter cet exploit cette fois-là, c'est-à-dire pour signifier la pétition acquis de droit. Ça a été fait. Et en ce qui concerne l'huissier de justice, il n'y a plus d'obligation formelle de remettre en main propre ou au service personnel de la présidente de l'Assemblée, mais bien à toute personne, même un voisin, qui est supposé être en mesure de lui faire parvenir l'information qu'un tel document avait été déposé auprès de lui. Et c'est dans ce cadre, bien précisément, que le secrétaire général de l'Assemblée a réceptionné les différentes réquisitions. Dans quelles conditions on a bousculé? Non, on ne bouscule pas un secrétaire général. J'ai vu quelques images qu'on a voulu trafiquer, sur lesquelles je voyais un homme très mince, qui ne pèse pas tellement mon collègue, mon jeune collègue, et puis mon très cher honorable Daniel Baou. On a failli trafiquer ces images en montrant qu'il était là en train de... Mais lorsque vous les regardez, il n'était pas du poids nécessaire pour bousculer le secrétaire. Donc que je vois un homme quand même assez assis. Ça n'a pas été vrai. Moi, j'ai suivi l'image. On a tenté de trafiquer ça de manière aussi gratuite que ça n'a pas été bousculé. Et la preuve qu'il n'a pas été bousculé, c'est qu'après avoir réceptionné ces pétitions, il a, de son propre chef, pris la décision de convoquer les députés en plénière pour devoir instituer un bureau circonstanciel, celui qui devrait connaître du fond de motion. Ça s'est fait comme ça parce que les délais sont... Mais avant ça, vous avez sauté, parce qu'avant ça, c'est Mme Mabunda qui a d'abord appelé à une plénière et les députés, principalement de l'UDPS, de CASH, tout ça, ont refusé et même allé jusqu'à casser les meubles de l'Assemblée nationale qui est considéré comme un sanctuaire de la démocratie. Moi, je ne peux pas, en fait, je n'encourage pas les casses, mais les pratiques parlementaires ont révélé que ce genre de casses ne profane absolument pas la démocratie parce qu'elles existent, elles ont existé dans certaines circonstances, dans certaines démocraties aussi confortées comme la française, la démocratie américaine, en Grande-Bretagne. On assiste souvent à ce genre de choses, nous ne sommes pas une exception. Mais pas jusqu'à casser quand même. Je n'encourage pas les casses, ça c'est un principe chez moi. Mais ici, il faut noter le fait que lorsque on dépose une pétition au bureau de l'Assemblée, les délais sont stricts et que ces délais ont été écourtés pour faire de la pétition la priorité. Ça signifie que s'il s'agit d'une motion et d'une pétition, on sursoit à tout parce que et la pétition, tout comme la motion, ont priorité sur toute autre matière de l'ordre de l'Assemblée nationale. Alors, il était incompréhensible qu'après que l'on ait réceptionné en bonne et due forme de pétition, plus précisément destinée au désaveu contre le bureau de l'Assemblée nationale, que ce même bureau vienne défier les honorables députés, les élus du peuple, qui sont par ailleurs ces électeurs, pour dire, bon, écoutez, non seulement eux, mais le règlement intérieur, qui chaque jour ici, il clame qu'il a été déclaré conforme à la Constitution, même si la signification qu'ils veulent donner à cette conformité à la Constitution n'est pas celle que lui donne le juge constitutionnel qui déclare cette conformité. Bon, on va y revenir. Et même dire ce règlement a été déclaré conforme à la Constitution, mais ce règlement fait de la pétition, de la motion, une matière prioritaire. Ça signifie que lorsqu'elle est déposée, on sursoit à tout, on amorce des démarches pour organiser les débats de fond sur la pétition. Mais ici, il était tout à fait incompréhensible que la pétition soit déposée le samedi, alors qu'elle doit être examinée le mardi, et vous convoquez une plénière pour le lundi. Et pourtant, cette plénière du lundi devrait être effectivement convoqué avec un seul point à l'ordre du jour qui s'appelle examen de la pétition et mettre en place les préalables nécessaires à l'examen au fond de la pétition, entre autres la mise en place, la désignation du bureau circonstanciel, celui qui serait constitué comme le prévoit le règlement
du président de l'Assemblée, mais aussi de, plutôt du plus âgé de l'Assemblée, mais et aussi de Benjamin. Benjamin. Alors, lorsque, à la veille de la date butoir de l'examen de la pétition contre toi-même, tu feins de ne pas reconnaître son existence et tu convoques une plénière, c'est que c'est toi qui appelles au désordre, bien évidemment, et le droit parlementaire, il diffère du droit, c'est un droit parfois émotif, hein? Il diffère du droit administratif ordinaire, parce que c'est un droit qui permet à ses pratiquants d'être un peu actifs, et de s'exprimer et parfois avec leurs paroles et leurs gestes, non seulement avec leurs écrits. Je crois qu'il a été là, planter les décors du désordre que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas passer sous silence des pétitions de désaveu d'un bureau de l'Assemblée, faire comme si elle n'existait pas et continuer de fonctionner, c'est de l'insulte à la nation qui vous a institué comme Assemblée. Il y a des questions importantes sur la saisine même. Il faut rappeler que je suis en train de jeter un coup d'œil sur la loi. Les députés du FCC estiment que vous jouez aujourd'hui, je veux dire à la limite, au gangster. Et vous faites le gangsterisme maintenant. Est-ce que vous vous sentez à un moment donné tenu responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que ça va faire deux jours que cette guéguerre existe. Je vous donne un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. Il s'est produit quatre décisions, suivant quatre documents officiels, pour un même bureau. Le vice-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, convoque les députés et dit même que c'est la seule personne capable, habilitée à appeler à la plénière, c'est la présidente. Et donc, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le rapporteur qui dit non, on appelle les gens à venir. Mais finalement, on se pose la question, non, qui a raison et qui a tort? Le vice-président, je l'ai vu plutôt s'exprimer, oui, contre l'acte du secrétaire général. Bien évidemment. Est-ce qu'on se rend justice pour ce genre d'acte? L'acte du secrétaire général qui a convoqué l'Assemblée, je crois qu'on va y revenir. Il l'a convoqué pour aujourd'hui, pour une plénière d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, à 10h. Pendant ce temps, ouais, j'ai vu le communiqué du vice-président qui disait qu'il n'y a pas de plénière. Pas de plénière. Parce que tout simplement, il n'y a que la présidente qui doit convoquer la plénière. Mais là, il ne relève pas cette exception soulevée par le dispositif réglementaire qui prévoit par exemple que lorsque elle ou son bureau dans son ensemble, ils sont visés par des motions, il ne préside pas la plénière. C'est en fait ça, la controverse. Ils ne peuvent pas prétendre exhiber leur droit exclusif de convocation de plénière là où la loi de l'Assemblée impose une exception. Mais nous avons des documents qui disent qu'il y a des députés qui sont venus avec des armes, avec leurs gardes du corps armés. Et vous avez violé l'inviolabilité même de la... Mais les gardes-corps... De l'Assemblée nationale. Les gardes-corps, la plupart des députés, ils ont droit aux gardes-corps. Du reste, quant à leur présence aux réunions, je n'ai pas vérifié ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais que l'entrée dans les installations du Palais du Peuple des gardes-corps n'est pas jusqu'ici réglementée dans le sens d'interdiction. Elle est permise. Ils sont avec les députés à bord de leur voiture et chaque fois, ils restent garder les voitures à l'extérieur. Mmh. On ne peut pas aujourd'hui en faire un problème. Mais ici, oui, le plus important, c'est de dire la cacophonie qui naît au sein de l'Assemblée nationale ou dans l'institution parlement à ce jour, d'où elle vient. Elle est créée de manière délibérée par l'honorable président de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu respecter les principes édictés par le règlement intérieur. Parce que c'est ce règlement qui prévoit que la motion ou la pétition soit prioritaire. Et à propos des motions d'ailleurs, il y a peu, c'était je crois en 2015, la Cour constitutionnelle qui avait été saisie par un groupe de députés, parmi lesquels certainement figurait l'honorable Délice Sanga, avait exactement répondu que les motions avaient priorité sur toute autre matière.
et qu'elle avait même exclu la possibilité que l'émotion soit interrompue par des motions incidentielles. C'est cette priorité qui pose problème. Mmh. Est-ce lorsque une pétition est introduite contre le bureau de l'Assemblée, celui-ci peut convoquer des plénières pour d'autres matières à 2 jours d'intervalle avec la date butoir de l'examen de la motion? Non, parce que la motion ou la pétition a priorité sur toute autre matière. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement maintenant? Ce qui va se passer, oui, c'est que ce forcing ne fera pas long feu. Il va s'estomper parce que la force devra rester à la loi. On ne peut pas faire semblant d'une réalité visible qui consacre la liberté pour les députés qui ont élu un bureau d'y revenir, alors que le règlement intérieur n'a pas interdit cela. Aujourd'hui, ils allèguent l'existence d'une majorité. Ce n'est pas parce que la majorité existe que les motions ou les pétitions deviennent interdites au nom d'une majorité. Avant d'aller... D'ailleurs, oui, le règlement qui consacre ce principe de motions et de pétitions savait que la majorité existe. C'est pourquoi il a consacré ce principe en réduisant même le nombre de signataires par rapport au nombre de députés qui constituent la majorité, c'est-à-dire 225 à la place de 250 plus 1. Moi, ce qui implique qu'un bureau peut tomber même lorsque la majorité reste entière. Et pourtant, ce n'est pas le cas ici. Mais... parce que la réunion convoquée hier par l'honorable Jean-Marc Kabound a prouvé, cette fois-là, ce n'est pas une déclaration sur l'esplanade avec un groupe et une dizaine de députés derrière. Ça a été une réunion et la comptabilité, vous êtes des journalistes, je crois que vous avez été là. Vous avez compté de 1 jusqu'à 270 députés présents qui ne se sont pas voilés comme à Safari Beach, que l'on pouvait clairement identifier, et parmi lesquels se trouvaient des députés du FCC qui sont en train d'exercer leur mandat conformément à la Constitution qui interdit le mandat impératif. J'ai envie de vous poser des questions comme les hommes de la rue, afin de faire comprendre aux Congolais exactement comment ça se passe. Est-ce que ça vous dérangerait de Lingala? Non, ça me va. Professeur, français tout le monde peut venir, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ce qui m'a bunda à boire au kende, au souka wapi. Ce qui m'a bunda au kende, au souka wapi. Il y a un abi, bokasi, makasi, na moka, et kambami na mibeko, tika la kana mubeko. Tant au boire au kende, ce qui mubeko, et komami, ndenge mususu, ke basala ka boire po, moto kende. Makasi yotika na mubeko, mubeko ezali na maboko ya ba police, ezali na maboko ya ba juge. Bo police akota na assemblée, ezali na maboko makasi tangu yo ovandaki na likolo ya mubeko, olingi kosalela yango lisusu te. Bongo batika yo kaka ozwa ndako ya l'état, o babengi palais du peuple, okomisa ngo ya yo loba kinga na osalela su mubeko te na kovanda basimisangate. Ministre ya fonction publique. As-tu sanctionné secrétaire général pour secrétaire général à Bouki Mobeko, selon la motivation à l'être ministre Lobby, à suspendre pour à Bouki Mobeko, à se comporter indignement, à respecter statut à l'agent public? Bon, est-ce que c'est du droit des ministres de la fonction publique y a qu'on suspendre secrétaire général y a Assemblée nationale? Oui. C'est son droit, ils ont le droit naïe à suspendre le secrétaire général. Mais le droit wana ils ont une limite. Na yango. Limite moko, ils ont d'ordre procédural, limite moussousou, ils ont d'ordre de compétence. Mais c'est aussi que tu as l'ordre. Awa, tu as une lagnon sur le balai. Yali Bosso, ils ont le droit au état de compétence. Est-ce que le ministre Yolande et Bongo, il y a l'élo, et toujours le bazali, n'a ma coquille à suspendre secrétaire général Azali Nayangote. Comment ça, Azali Nayangote? Azali Nayangote, pour Nanini, pour Banda Mokolouana, il y a dimanche, Mokonjamboka, a pesa qui communique, a pesi discours naye, a l'obike, cache et longwe, na majorité parlementaire. Wana Elin Kolobake, majorité parlementaire et Sili, a ébissipé Bango clairement que le gouvernement est comme co-expédié au Babengi affaire courante
en attendant que a nommé nani informateur. Na ngomoni tant bazol ba affaire courante, les ali na professeur Moko Francis Delperré. Delperré ezali moto yo atangisa makambo fonction publique makasi. Yende kutu a déjà thèse ya kulutu na biso Evariste Bouchabo. Azola kisana mukanda na Moko ke tant bazol ba affaire courante elingi kolobake oko poser les sous ba acte oyo ekoumela ba effet na yango ekoumela te donc ce qui opposé acte oyo ba effet na yango ekozala mulayi ozana yango les sous droit te ya mibale oki ko poser ba acte de disposition te oki ko poser ba acte créateur na extincteur de droit te mais donc, les amis créateurs acte, ni extincteur parce que acte extincteur de droit comment ça Zelana a expliqué pour Azali secrétaire général Azali na droit ya kusala musala na ye Azali travailleur ya l'état Azali na droit ya kokende bureau na ye kusala musala et puis eza droit na ye alors tango yo lobby que bien que mokonja mboka no maka secrétaire général ou que kusala musala on a te ou peki si ba droit na ye donc ou buki ba droit na ye ye ministre a ki ko poser les sous ba acte le lengo na te na état o azali na yango a ko signer les sous ba arrêté te parce que ezo même makamo ko ko umela mais il y a aucun acte prouve quel a été l'acte pour la signer vous avez fait une déclaration verbale le président non le président a annoncé que Makambo ya gouvernement pour majorité et si le gouvernement a comme expédié affaire courante. Mais il n'a pas dit ça. À lobby bongo, c'est là que tu as dit. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe à cet état de choses? Le ministre peut payer les factures des régies des eaux. Ceux qui battent, excellence, courant, il faut foutre, il peut payer les factures. Le ministre peut intervenir dans les affaires telles que ceux qui ont sali en route. L'administration peut connaître d'énormes difficultés de fonctionnement. Mais Oyo et Zali est prérogative naïti. Qu'on nomme tout, qu'on révoque, on a été. Exactement. La minute où il est sauté. Exactement. Il y a plutôt un embarqué à révoquer secrétaire général. Au moins tant qu'on nomme qui secrétaire, bah secrétaire général, on a qui a autre. Dans le bas qui a beaucoup mis beaucoup, on a tant qu'il mis beaucoup de gens sur beaucoup de fonctions publiques. Il y a encore mon ami Mokonzi à zone ici, c'est ma habitude. Bandela lokasana yo abendaki lokasana ye a longoli yango donc azana droit ko nomete ya ko revoquer te boko suspension droit suspension azali na yango tango azali na fonction na ye régulière mais awa azali ministre moko azo expédier ba faire courante ndenga zaona ame kaka ko kende banque pona obimisa mbongo ya ministère akomona ke ba ko yebisa ye ke mbongo e ko bimate pour Azad déjà n'était pas là il y a expédition il y a affaire courante. Alors, quoi, na niveau il y a procédure. Na niveau il y a procédure tant yo oyoki ozali autorité pour au comment na niveau il y a ko suspendre principe ezali mibale. Principe ya liboso ezali ko entendre moto en amont. C'est-à-dire ozala édifier na likambo oyo oyoki na balabala. Pour une autorité administrative ne ramasse pas les dossiers dans la rue. Il y a le lobby, qui est saisi par presse, par voie de presse. Motivation n'a rien à voir. Il y a un lobby, wana elinko lobaki ayebi administration. L'autorité administrative a zali parquete. Une autorité administrative ne ramasse pas les dossiers dans la rue. Donc, tant qu'autorité administrative va comme le kotaba dossier na balabala, et puis à asseoir conviction na ye na information ou agi na balabala, wana à comme Mutumoko attend l'administration. L'administration, elle doit être saisie. Parce que ezali na hiérarchie na ngo, il faut ezala saisie. Mais ce qui est une information na balabala, et le quoi libosso, ko sa les anini, eza o komela. Parce que l'administration, elle ko babenga ka oralité. Surtout l'administration, yabiso ya Congo et Peksami. Il n'y a pas d'oralité dans notre administration. L'administration est écrite chez nous. Il faut komela administrer na yo. Ou bien subalterne na yo tout na ye likambo na yo ki ezali nde ntindela nga dossier bo na yo ki na télévision na yo ki na radio tindela nga dossier wana po na ye ba ko vérifier ngo soki ezali ndenge nini alors soki ye
a boy qu'on s'exécuter ou on a aux yeux raison ou qu'on suspendre y est. Quand c'est suspension ou on a, ils ont la validité pas ce qui est allé accompagner na obazo benga ouverture d'action disciplinaire. Donc on a préalable ce qu'on a en aval. Ou qu'on qui qu'on suspendre te na balabala ou lui na suspendre yo te. Ce qu'on suspendre l'administration, il faut acte de suspension. Et à la suivi na ouverture d'action disciplinaire. Mmh. Parce que c'est une suspension préventive. Elle n'est pas punitive. Alors, ce qui est moni, il y a sali bongo, c'est que, à Bouki Mibeko, le lengi Mibale, il y a du bosso, à Zaki Sous, on a droit à suspendre. Il y a Mibale à respecter la procédure. Il faut que vous ayez un mot. 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 Si vous avez une suspension, est-ce que. Et que ça la moussa na yangoto, et que ça la moussa na yangote, nandenge ezali acte d'administration, ezali acte administratif ou assigné, ezali protégé na privilège, moko bazo benga privilège du préalable. Ça signifie que ndenga si assigné wana, suspension wana, et que ça la moussa na yangote, c'est-à-dire secrétaire général, azali suspendu. Ozoyoka. Mais il y a une activité qui activité au secrétaire général à Banda Kiwana et Zali suspendu. Wana et Zali activité parlementaire. Et Koutounengi Bazali Wana ba député, Bango Baza déjà convoqué na plénière. Convocation Wana, ils ont produit ba effet na Bango pour Bango Basi Basangani. Non, mais il y a aussi une autre convocation. Madame Abunda, bien dit, convocation, il y a bien à 10 heures. Na lobina nu oyaye wana oui. Ba député basi basangani tango basangani déjà ba vandi na droit parlementaire bazali le sous ba député té ba komo benga bango plénière ozoka lokola ezali sikoyo plénière oya makambo ya pétition et bureau d'âge bureau wana ezali parce que ba principe ya constitué yango ezali ba kotala qui est âgé qui sont benjamin alors suspension na lobby boy ezala irrégulière ezala régulière yango ekozwa validité na yango po ezali acte administratif ezali couvert po ezali acte ezo bénéficier na outil na ba prérogative to moi ba saisir conseil d'état zate zela na expliquer ezali acte to benga ezali couvert na to benga ba prérogative exorbitante de la puissance publique et l'une de ces prérogatives là c'est ce qu'on appelle le privilège du préalable qui signifie que les actes administratifs, lorsqu'ils sont commis, lorsqu'ils sont posés, ils sont supposés conformes à la loi jusqu'à ce qu'un juge les invalide. Tala si ko yé le linga sali. Tant ou à suspendre moto, à zwa ki pe décision na yé administrative. Vous allez comprendre? À suspendre moninga na po à zwa ki décision administrative. Décision yango, ezali ko poursuivre validité na yango. Pour annuler la décision en athée. Aux hommes, parce que l'autorité hiérarchique a le pouvoir d'annuler la décision. Azalika a le droit de rappeler à l'ordre. Ou bien que l'autorité en ABC, est-ce qu'il peut annuler la décision en athée? Quand ce qui a boi, il a le pouvoir d'évocation pour se substituer à l'autorité défaillante. Ça signifie qu'à ce moment, les deux décisions des deux autorités administratives sont valides. La décision du secrétaire général convoquant la plénière, elle est valide parce qu'elle n'a pas été annulée. La décision du ministre suspendant le secrétaire général est valide parce qu'elle n'a pas été entreprise devant le juge et qu'il n'y a pas de recours contre elle. Ça implique que Moussala est assemblée nationale et Zokoba. Oyopeyaye et Zokoba. Donc ça n'empêche pas que la plénière se réunisse et installe le bureau provisoire. Aujourd'hui, le bureau circonstanciel. Madame Minute, de toujours le babou. Madame Mabunda a bien qui payé pe tournaye plénière moko pendant que Bino ba député a de pays il y a cash toujours accompagné président ba benga qui pe contenir une plénière na Bino na 11h. Ba toi il de pays ba bengi plénière te plénière et benga maki na secrétaire général. Oui, Bino ba toi il de pays vous allez le na émission nan boyé. Il faut retenir le principe là. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, mal ou bon, il a convoqué la plénière. Son acte est valide. Oui.
Ceux qui trouvent d'entorse en son acte ne vont pas aller casser à l'Assemblée. On veut bien, là on a compris. Ils doivent saisir le juge. Là on a compris. Voilà, mais non, ça signifie que la plénière de le télescopage entre la plénière convoquée par le secrétaire général et la plénière convoquée par la présidente ne pose aucun problème à ce niveau ici. Dans ce sens que nous ne sommes plus à 11h. Ce qui est sûr, c'est que celle de la présidente ne s'est pas tenue. Mais celle du secrétaire général s'était tenue à l'heure indiquée, où c'est, les députés s'étaient réunis à l'heure indiquée. Mais ça ne sera pas non plus. Maintenant, tout le problème, c'est de dire, même si elle convoque, la finalité de sa plénière doit être la mise en place du bureau circonstanciel. Parce qu'on doit discuter des pétitions. Et ils disent qu'il faut aller dans, il faut aller dans la commission des sages. Non. Il n'est prévu nulle part dans le règlement intérieur, vous l'avez entre vos mains, il n'est prévu nulle part que les pétitions ou les motions soient discutées, ni au sein d'une commission quelconque, au fond, ni au sein de ce qu'ils appellent commission des sages. Et ça, c'est du pouvoir souverain de la plénière de l'Assemblée nationale qui doit connaître du fond de pétitions et de motions. Donc, c'est une tentative malicieuse d'imposer une tricherie et immonde à la face d'un peuple qui croit à ces gens comme ses représentants, mais lorsqu'ils peuvent exhiber de telles ignorances et de telles indélicatesses, moi je crois qu'il y a même des raisons très sérieuses pour nous de croire que dans les jours qui viennent, le chef de l'État va jouer son rôle de garant du bon fonctionnement. De dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas exclu. Alors, avant de revenir sur ça, Moutouna porte aussi ça, parti eux. Avant de retourner à un discours, un informateur, prof, Mabunda, a rokoya, toi a rokoya te. Te, wana ezali yote ezali ngaite. Mabunda peut tomber. Tout comme elle ne peut pas tomber, ça c'est le choix des élus du peuple. C'est les représentants. Mais écoutez, lorsque les gens signent à 264, ils se réunissent à 270. La petite moralité pour les grands hommes d'État, et que Madame Jeanine, moi c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai toujours dit que c'est une dame érudite, qui n'attendrait même pas d'engager un bras de fer avec ses électeurs. Ici, le principe, il s'est dégagé par honneur. Madame Jeanine resterait à la maison et elle annoncerait sa démission. Elle demanderait à d'autres membres de son bureau de faire de même, parce que c'est 264 qui ont signé et 270 qui se sont réunis hier. C'est un désaveu sans appel. Mais lorsque on n'est pas homme d'État, et qu'on est pouvoiriste, on veut s'accrocher au pouvoir en tant que tel, on peut toujours être exposé à des humiliations qui peuvent conduire beaucoup plus loin. Très bien. À ce jour ici, il est tout à fait normal que les pouvoirs publics, plus précisément les services de sécurité, s'accaparent des installations de l'Assemblée et y mettent de l'ordre. Alors, mettre de l'ordre signifie laisser les députés exprimer leurs opinions et surtout jouer les rôles pour lesquels ils avaient été élus. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. À Kokoyato, à Kokoyate, c'est aux honorables députés nationaux. Très bien. Mais ce qui est évident, c'est qu'il s'agit de 264 signatures sur les 250 plus une récuse. Professeur, vous avez entendu le président parler. Le FCC a réagi tout de suite en disant ils ont pris acte de cette séparation et ils demandent à tous les ministres de cash de démissionner. Comme ça, eux vont envoyer leur premier ministre à nommer leur propre ministre et pour aller tout droit dans une cohabitation. Et que dans peu de temps, ils vont demander à l'autorité morale de parler et de donner sa part de vérité sur ce que le chef de l'État a dit, parce que le professeur Némi Moulania estime que le chef de l'État nous amène tout droit dans une dictature éhontée et effrénée. Bon, moi aussi je prends acte de la déclaration du FCC. Je rejette en bloc,
les allégations du FCC. Vous rejetez en bloc. En bloc. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sérieuses. Ce sont des allégations, excusez-moi, insensées et irresponsables. Pourquoi? Moi, ça me gêne même beaucoup, parce que cela sort de la bouche d'un professeur de droit public. Vous voyez un peu, lorsque nous, on vient, on parle ici, au lieu de nous rencontrer sur le débat scientifique, j'ai même entendu l'un d'entre eux qui est parti dire « Non, lui, là, d'ailleurs, il a été parachuté, il n'a pas étudié le droit. Il parle de moi. » Non, moi, je suis triste d'entendre les gens réfléchir au rabais comme ça, parce que nous, les juristes, Némi Mouilagne, je crois qu'il a été même à l'université avant moi. Il a fait le marché public. Il a terminé l'université après moi. Ouais. Il a fini après moi. Mais je ne crois pas qu'il devait réfléchir comme ça. Vous vous rendez compte, le président de la République a donné son discours. Lorsque vous lisez... Moi, je l'ai ici, d'ailleurs, sur le temps de GTN. L'ordonnance qui nomme le premier ministre actuel, le professeur Ilunga Kamba, dans son deuxième paragraphe, dans l'exposé des motifs, c'est l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019. Dans son dernier paragraphe, il est dit, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour les changements, et celle du Front commun pour le Congo, FCC. Est-ce que vous avez vu, ici on dit, l'accord politique entre le CASH et le FCC? On dit, vu l'accord politique entre les forces politiques, au pluriel, membres du CAP pour le changement, et celle du Front commun pour le Congo. De le FCC. C'est l'accord entre les forces politiques membres de... Pourquoi est-ce qu'on a mis ça? Parce que le rédacteur de l'ordonnance, c'est un juriste chevronné, il a indiqué que ni le CAP pour le changement, ni le FCC n'existaient juridiquement. Ce sont des forces qui composent les deux qui ont signé l'accord. L'IDPS, l'UNC d'une part, le PALU, les PPRD et les autres. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ceci. L'ordonnance dit... en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces derniers. Il y a un scoop tout à l'heure, on nous apprend, parce que l'heure à laquelle l'émission va passer, on nous apprend, si c'est confirmé, que les bureaux d'âge viennent d'être installés. Donc, je crois que c'est M. Aousso Afingoto, qui est le doyen, non, les deux Benjamin, je crois, Aousso Afingoto et Kabeya, et le doyen d'âge, Mbosso Kodia. Donc, on va peut-être continuer. Ça ne peut que se faire comme ça. D'accord. Donc, poursuivez. Alors, cette ordonnance, vous voyez, après, il y a le troisième paragraphe qui dit « Considérant la personnalité proposée ». Voilà. C'est ça, les trois motivations qui ont fondé l'actuelle coalition. La première motivation, c'est « Vu la Constitution de la République ». Plus précisément dans ces articles 78, 79 et 99. C'est la première motivation. La deuxième, c'est « vu l'accord ». Ça signifie que l'ordonnance est assise sur l'accord. Et que le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Le président de la République n'a pas dissous la majorité. Il n'a pas éclaté la majorité. Le président de la République a retiré... les deux forces qui constituent le cash de la coalition. Ça signifie quoi? Il a retiré sa signature. Ce qui fait que l'accord tombe. L'accord tombe, et n'existe plus. Comme l'accord, c'est la... Mais c'est, parce que l'accord est tombé ce samedi-là. Oui. C'est le principal, tu l'as dit. Oui. Et l'accessoire? L'accessoire suit. Est-ce que cette logique-là est possible là-bas? J'ai dit l'accessoire suit. Okay. Parce que l'accord, c'est le fondement juridique de l'ordonnance. Mais c'est dans ce droit de l'homme, vu la Constitution. C'était un acte sous sein privé, l'accord. Mais lorsqu'on l'a coulé dans cette ordonnance et qu'il a donné de la validité à cette ordonnance, sa disparition fait tomber l'ordonnance dans ce qu'on appelle caducité. Que devient le Premier ministre en ce moment?
Le premier ministre a cessé d'exister. Comment ça, prof? Oui, mais il a cessé d'exister. L'ordonnance, le nommant, a disparu par caducité parce que son fondement n'existe plus. Il s'est fondé sur l'accord qui a disparu et donc l'ordonnance a disparu. Je ne crois même pas qu'ici, on ait un juriste bien formé, qu'on se fasse la peine de se poser la question si l'on va démissionner ou pas. Il n'existe plus. Mais le FCC a dit qu'il continue à soutenir. J'ai dit qu'il n'existe plus. La question devient impertinente de savoir s'il va démissionner ou pas. Parce que l'ordonnance... Comment on peut être Premier ministre sans ordonnance de nomination? D'autant plus que l'ordonnance est tombée ce jour-là. L'ordonnance était assise sur l'accord. L'accord s'est fissuré. L'ordonnance est tombée caduque. Et donc le Premier ministre maintenant est inexistant? Il est inexistant juridiquement. Et il ne peut poser aucun acte? Mais je t'ai dit que nous sommes dans les affaires courantes. Mais le président l'a reçu. Dans les affaires courantes. Pourquoi alors le président l'a reçu? Mais le président l'a reçu, moi je n'étais pas là, mais tout juriste sérieux sait que le président l'a reçu pour lui dire, l'informer que tu n'existes plus. Il faut prendre tes clics et tes claques et t'en aller. Il a dit qu'il a, lui aussi va s'adresser à la nation. Bon, qu'il s'adresse à la nation. S'il en a le pouvoir constitutionnellement parlant, parce que le Premier ministre ne s'adresse pas à la nation, s'il en a le pouvoir constitutionnellement parlant. Et la conséquence, elle est claire. Aujourd'hui, il ne viendra plus au Conseil des ministres. Parce que lui, le président d'ailleurs ne convoquera plus ce conseil jusqu'à ce qu'il nomme l'informateur qui va faire son travail. Ce sera vous, maintenant, vous l'informateur? Ça me ferait énormément plaisir parce que je vais faire un travail extraordinaire. Vous allez tout casser là-bas. Non, je vais faire un travail extraordinaire. Et puis, un informateur, ça doit être aussi quelqu'un qui maîtrise les méandres, les majorités. C'est qui un informateur? C'est quoi le portrait? Quel est le portrait, le profil d'un informateur? Mais c'est le chef de l'État, dans sa toute souveraineté, qui définit ce profil. Il va nommer qui il veut. Ça peut être moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme, un homme. Tout citoyen de ce monde ici, on n'a pas besoin d'avoir des cornes ou de diplôme. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a besoin de rien. Est-ce que cette personne doit être consensuelle? Non, 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 non. Cette personne, elle est nommée en toute souveraineté par le président de la République. Et cette ordonnance? Il peut même nommer madame son épouse. Ah bon? Oui, 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 il n'y a pas de... Et cet acte-là a besoin d'un contre-saint? Il n'y a pas de contre-saint. Mais cet acte est posé en période d'une existence du Premier ministre. Et c'est supposé pas comme un ça. Acte de gestion. Alors, le professeur Némi Mulanya a dit qu'il ne peut pas y avoir d'informateur pendant le mandat, pendant l'exercice des mandats. Le professeur Némi Mulanya, j'ai dit, je respecte beaucoup tous ces gens-là. Je respecte beaucoup, j'ai été à la soutenance de sa thèse, c'est des jeunes profs qui nous ont suivis, c'est un homme formé, un homme intelligent. Ça me dérange qu'ils se mettent volontiers au service du mensonge et de déformation de la jeunesse. Lorsqu'on a nommé Mwando Simba le patriarche pour être informateur, il n'y avait pas de premier ministre, est-ce que Mouzito avait démissionné préalablement? Mais c'est Mouzito qui a dit ça d'ailleurs. Mouzito a dit en fait. Oui, ça c'est Mouzito. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos aînés là. Mouzito c'est un homme intelligent, c'est un homme sérieux que je connais quand même sérieux. Bon. Quand même, hein, vous dites quoi? Mais lorsqu'on est en quête du sensationnel en politique, on se livre peut-être à tout. Lui, lorsqu'on a nommé l'informateur, avait-il préalablement démissionné? Il était en fonction lorsqu'on a nommé l'informateur. L'informateur ne vient pas remplacer le Premier ministre. L'informateur fait un travail, il enquête au sein de l'Assemblée pour voir s'il y a encore des gens qui sont capables, parce qu'il n'y a aucun parti qui a gagné les élections au sein de l'Assemblée conformément à l'article 78 de la Constitution. Et après cette hypothèse, il n'y a pas un groupe de partis qui s'est dit aujourd'hui majoritaire, qui s'est présenté au président de la République en tant que tel après que l'UDP s'est quitté. L'UNC est quitté, AAA de plus Mabilo est quitté, ADRP de François Rubota est quitté, Code de Jean-Lucien Mboussa est quitté. J'ai vu que sur la signature là de trucs, je n'ai pas vu la signature de mon vieil José Makila Soumanda, je n'ai pas vu G18, je n'ai pas vu ça. Ça signifie qu'il y a des inquiétudes sérieuses. Moi, je t'ai toujours dit ici que une majorité parlementaire, c'est un fait sociologique. Ce n'est pas un fait juridique.
Maintenant, le formateur va toquer aux portes des forces qui représentent l'Assemblée pour dire... Pendant 60 jours, au oui, total. Oui, oui, pour, mais il peut le faire aussi vite fait. En deux jours, trois. Oui, 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 mais s'il a trouvé la majorité, il n'a pas besoin d'aller à 60 jours. Il peut le faire aussi vite fait, vous vous réveillez dans deux jours, il vous dit j'ai trouvé le président, la majorité là. Après ça, le président va devoir nommer le premier ministre. Alors c'est là que les gens veulent savoir, comment le président fait pour savoir qu'il y a la majorité? Vous dites que c'est l'informateur qui le dit. Mais dans cette majorité-là, comment elle va désigner un représentant et que c'est avec ce représentant-là que le président devra parler? Ou comment non, le non, président non, fait non, pour non, avoir non, un premier non, ministre? Non, 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 c'est sur foi. C'est l'informateur qui note. D'accord. Il peut utiliser plusieurs méthodes. C'est des faits sociologiques. Mmh. Il n'y a pas de forme stéréotypée en droit. D'accord. Par lesquelles l'informateur rend son rapport. C'est pourquoi je dis que c'est un fait sociologique. Okay. Ça peut être des déclarations de regroupements politiques et de députés qui viennent signer des déclarations pour dire nous sommes d'accord avec l'initiative ici. On veut faire un même mais programme. Comment viendra le Premier ministre? Le Premier ministre, maintenant, c'est lorsque l'informateur a dégagé cette majorité, il va dire au président de la République, j'ai 250 plus 1. Okay. Voilà, le président de la République vérifie, il dit, ok, s'il veut contre-vérifier, il contre-vérifie pour s'assurer que les 250 plus 1 ont consenti à ce programme. Il dit, ok, vous êtes une majorité, voilà, je nomme le Premier ministre au sein de la majorité là. Ah oui, comment ça se passe? En comment fait, il saura que fait, tel a l'ambition, théorie, tel n'a pas d'ambition? En théorie, lorsque vous lisez la Constitution, sa lettre et son esprit, le président de la République désigne qui il veut au sein de cette majorité. Ah, ça implique probablement que le Premier ministre devrait être un député. Okay. Probablement. Justement, c'est ça qu'on lit. Mais c'est l'impression qu'on a. En pratique, ça s'est fait suivant des concertations et des consultations, des combines de couloirs. Le président de la République s'intéresse toujours à cette majorité pour dire, bon, proposez-moi, ou bien moi, je vous propose tel, ou bien elle propose, il discute. Le président de la République peut poser aussi ses conditions de dire, donnez-moi trois noms, comme ça a toujours été là. Est-ce que le président peut lui aussi trouver quelqu'un en qui il a confiance? Il appelle la majorité, dit, bien vous m'accompagnez, soutenez ce monsieur-là, Premier ministre. Il consulte cette majorité-là pour dire, bon, j'ai trouvé quelqu'un. Voici le programme que nous avons, c'est quelqu'un que je connais efficace pour tel besoin. Il les consulte pour dire voici la personne que j'ai trouvée. Ah là, c'est possible aussi. Mais l'article dit consultation, il ne dit pas concertation. D'accord. Consultation, il consulte la majorité pour dire voici la personne que j'ai trouvée, voici son profil, voici ce qu'on peut faire. Mais c'est un gros mensonge que de se mettre devant la nation, de dire à nos étudiants, écoutez, la majorité, elle est créée pour... 5 ans, il ne peut pas être mouvant, il ne peut pas bouger, mais écoutez, c'est maladroit comme conception de la politique. Et qui, c'est tous ces gens-là, il y a parmi les sociétaires du FCC des gens qui ont fait leurs études en France et ailleurs. Je lisais encore le même Francis Delperré, qui était le promoteur de thèse du professeur Evariste Bouchab. Il démontre que la majorité, c'est une réalité oscillante. Et elle tangue, et puis elle peut s'évanouir, elle peut imploser, elle peut exploser, et puis elle peut disparaître, se reconstituer, s'élargir ou se rétrécir. Et elle n'est pas faite pour être immuable pendant 5 ans. Ça signifie qu'au courant du mandat, un parti politique qui constitue cette majorité peut dire, écoutez monsieur, moi pour entrer dans cette majorité, je vous avais dit que mon besoin était que l'on ne s'occupe que de l'enseignement pendant ce mandat. Mais comme vous, maintenant, vous priorisez l'électricité ou les routes, vous soutenez un Premier ministre qui met tout l'argent dans les routes et l'électricité pendant que l'enseignement se met, alors que c'était ça, ma motivation à moi, je quitte. Et automatiquement, ça lorsqu'il change tout. Lorsqu'il quitte, la majorité implose parce que l'accord disparaît. Ah, d'accord. Alors, il y a deux hypothèses. L'hypothèse où on trouve une majorité multipartite. Fondé sur un accord multipartite. Donc plusieurs sur parties. Une alliance, une coalition. De plusieurs partis qui ont signé comme plusieurs partis. Alors cette fois-là, lorsque un parti quitte, il quitte dans l'intérêt de l'accord, parce que l'accord peut survivre. Mais ici, il s'agit d'une majorité constituée par un accord bipartite, c'est-à-dire deux personnes. Et dans les accords bilatéraux, lorsqu'une partie dénonce l'accord, qu'est-ce qui reste à l'accord? L'accord disparaît. Très bien. Et encore qu'ici, l'accord disparaît, d'autant plus qu'il n'y a pas eu des clauses de préavis préalables
pour que l'on quitte. On n'a pas dit dans cet accord, pour quitter, il faut d'abord attendre autant de jours, il faut prendre un préavis d'autant de jours. On a dit non, l'accord est libre, c'est-à-dire quelqu'un qui quitte, il quitte. Mais à partir du moment que vous avez signé un accord sur lequel avait été superposée l'ordonnance et qu'une partie quitte cet accord-là, l'accord a disparu et l'ordonnance meurt par caducité. On n'a besoin ni de l'abroger, ni de la retirer. Elle meurt par caducité. Elle se jette dans les oubliettes des archives de la République. C'est fini. Le président de la République va chercher à dégager une nouvelle majorité. On va terminer. Et que si jamais l'informateur découvre que la nouvelle majorité elle est constituée des sociétaires du FCC, il va informer le président de la République et que celui-ci va devoir les inviter à discuter le programme commun, la politique commune qui va être conduite par le futur Premier ministre. En tout cas, ça ne sera pas un Premier ministre qui va cohabiter avec le président parce qu'il va travailler sur base de la politique codéfinie. Et sur le leadership, bien évidemment, du président. Alors, et le président, lui, il va diriger le conseil des ministres. Il aura une voix prépondérante. Il va faire les recommandations aux ministres et au Premier ministre parce qu'en dehors du conseil des ministres, il n'y a aucun autre cadre qui va réunir le Premier ministre avec les ministres. Ce qu'on appelle gouvernement, c'est en réalité le conseil des ministres dont le président est le chef. Dites-nous, prof, et si ça ne marche pas, si l'informateur échoue et qu'il n'y a pas de majorité et qu'il faut bloc au FCC? Tu sais qu'il y a plusieurs jours avant ce qui arrive ici, moi j'ai discuté avec toi, je t'avais dit que je ne vois pas comment le chef irait autrement. La procédure, elle est mathématique, il va retirer le cash de l'accord, l'accord va tomber, l'ordonnance va tomber caduque, et on va tenter de faire une majorité, si elle n'est pas trouvée, on va dissoudre. Et si vous dites je t'ai dit que le schéma est mathématique. Oui. Maintenant, la question que vous posez est pertinente, je ne vois pas comment est-ce possible. On ne trouvera pas la majorité. Comment vous allez trouver? Premièrement, parce que il n'y a pas un parti qui peut empêcher qu'une majorité se constitue. Ça signifie, pour qu'il y ait un parti qui empêcherait qu'une majorité se constitue, il faut qu'il y ait au moins 250. Il faut qu'il y ait au moins 249 députés. 249 députés. Parce que là, lui, il peut empêcher qu'une majorité se constitue. Mais deux, trois partis peuvent faire. C'est ce que je te dis. Notre système politique n'a pas permis cela. Pourquoi il n'a pas permis cela? Parce que Vous n'allez pas dire que vous ne travaillez pas avec le chef de l'État. Vous devez plutôt discuter autour de la politique. Et si vous ne vous entendez pas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de gouvernement. Parce que pour qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait une politique commune, codéfinie entre le gouvernement et le chef de l'État. C'est sur base de cette politique que le chef de l'État va autoriser au gouvernement d'endosser et d'aller se présenter devant l'Assemblée. Mais vous savez au moins qu'ils n'ont rien pas à perdre, le FCC. À perdre, il y en a. Pourquoi? Pendant qu'il n'y a pas de majorité trouvée à l'Assemblée nationale, deux hypothèses. Premièrement, on tente pour la première fois, on tente pour la deuxième fois. Si ça ne se trouve pas, au bout de six mois, normalement, on va constater qu'il y a crise persistante parce que l'Assemblée n'arrive pas à dégager une majorité. On dissout l'Assemblée pour envoyer les députés devant le peuple. Oui, Tout ce temps-là, je vous ai dit que l'État n'est pas en vacances. Le président de la République, lui, gère. Est-ce qu'il nomme la République? Il nomme les ADG. Mais pourquoi il ne nommerait pas? Il n'y aura pas de contre-saints. Il y aura des contre-saints. Comment parce que le gouvernement là, qui expédie les affaires courantes, sera là. Mais l'absence de l'Assemblée de surcroît, je t'ai dit que le président de la République légifère. Il va légiférer par ordonnance-loi. Ça signifie que l'État ne va pas en vacances. Il n'y a aucune légitimité qui conditionne la survie de l'État. Ces choses s'enseignent en premier graduat. Si tu trouves aujourd'hui un enfant de sciences politiques qui a étudié le cours d'introduction à la science administrative, le cours d'introduction au droit constitutionnel, le cours d'introduction à la science politique, tu le rencontres, surtout s'il a combiné avec le cours de droit administratif en deuxième graduat, il est parfaitement connaisseur de ces choses. Tu vas discuter avec lui avec responsabilité. Merci. Et lorsque tu vas à la faculté de droit, où nous avons effectivement étudié, moi j'ai étudié le droit public,
Et j'y ai étudié depuis première. Là, vous répondez à celui qui vous a dit. Oui, oui, oui. Vous répondez à celui qui vous a dit que vous n'avez jamais fait les droits. Vous n'êtes qu'un professeur de sciences po et non, pas un professeur de non, droit. Non, à la faculté de droit où moi j'ai étudié, depuis premier graduat jusqu'en deuxième quelle licence. Quelle université? À l'université de Kinshasa. Avec moi, j'ai bel et bien suivi les cours d'introduction au droit constitutionnel, ce qu'on appelle droit constitutionnel là. Oui. Je l'ai suivi avec le professeur Pongo Bokako Botolinga. J'ai suivi l'IGED public. Oui. Public avec le professeur Basseba Boukazadi et privé. J'ai suivi les finances publiques en deuxième. J'ai suivi tous ces cours-là et puis le droit administratif avec Bundo Tepemakou. J'ai suivi les obligations en deuxième avec Kalon Bikaï, de reste mémoire. Ça signifie que les gens, lorsqu'ils sèchent devant le débat, le vrai débat, ils trouvent des contours. Non, nous n'avons pas très été parachutés. Mmh. Moi, je suis passé par des écoles de manière régulière depuis le petit séminaire jusqu'à ce jour-ci. Pour terminer, dites-nous en une minute, que devient le président pendant tout ce temps? Il est le chef de l'État. Un monarque républicain. Non, le chef de l'État, il est le chef de l'État. Oui, monarque républicain, effectivement, il est le chef de l'État. J'aime bien ce concept. Oui. Il est le chef de l'État. Lui, il est en plein exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, nous parlons. Lui, il est en plein exercice de ses fonctions. Pendant ce temps, Mme Abunda est... C'est là maintenant que ça pose problème. Mme Abunda est confiée avec la loi. Lorsque le président cohabite, lui, il a plein pouvoir, il cohabite avec un premier ministre qui expédie les affaires courantes. C'est toute la quintessence de cette formulation constitutionnelle que nos aînés là nous avaient léguée. Et en cette circonstance précise, le président de la République voit ses pouvoirs être renforcés parce qu'il faut que le pays survive à toute vague possible. Il est là, au sommet de ces gloires que le peuple lui a conférées. Il attend donc l'opportunité pour nommer un informateur qui va devoir faire le travail dans l'intérêt de nous, peuple congolais, et qu'on aura un premier ministre avec une majorité certainement réqualifiée. Ça sera avec la même assemblée parce que le président n'a pas envisagé dissoudre. Il prévoit plutôt cette hypothèse dans l'extrême nécessité, dans l'hypothèse où les députés ne comprendraient pas qu'ils ont été élus pour travailler dans l'intérêt suprême du peuple. Et ça sera donc... un chômage collectif ou un suicide collectif? Ils ne vont pas le faire. J'étais déjà dit que les députés ne feront pas ça pour des raisons que je t'ai données ici. Parce que s'ils le font, même s'ils rentrent aux élections, même si la même majorité revient à l'Assemblée, elle va trouver le président de la République dans son fauteuil là. Et c'est la majorité qui va aller vers lui. Lui n'ira pas vers la majorité. C'est eux qui vont aller vers lui pour dire, bon, on fait maintenant la politique nationale, la politique de l'État ensemble. Kabila va parler. Et tout cela sera conditionné à son oui. S'il dit OK, c'est ça la politique que nous allons suivre, là, on continue la logique vers l'Assemblée, investiture et autres. S'il dit non, ça va rester même une année et puis il n'y a rien qui se passe. Kabila va parler dans quelques jours, certainement. Non, mais c'est un fils du Congo. Mais toi, tu parles chaque jour ici. Lui, s'il parle, pourquoi ça étonnerait les gens? C'est un citoyen congolais qui a le droit de parler. Il ne va pas parler à la nation. S'il vous invite quelque part pour une interview, il vous donne l'argent parce que vous vendez vos services, c'est un droit. Vous lui donnez le micro, il parle. Ça n'a pas besoin d'être interprété autrement. C'en est fini. Merci beaucoup, professeur Tulumbay. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, on aura le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Malobi, shop. Africa Union. Et donc, t'es qu'un gnosso. Biloko, y a un congolais. On y dit, n'est qu'on a yo. A ça, il s'agit de te. Bon, la Corée, la yo, mais comme à bon, la yo. Bon, la tout, on a yo, mais comme à bon, la yo. Bon, comme à bon, la yo. Malobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon vous voyez pas sinon vous voyez rien mais quand on a l'autre t'es là l'autre t'es là bio y a fraise y a bio bio
Loye mbolo nene ya lisanga